J'ai avec moi aujourd'hui, là, le classement des 10 personnalités les plus riches au monde. Ah. Vous n'êtes pas dedans. Ah. Et vous? Et non plus. J'ai regardé, moi non plus. C'est pas encore pour tout de suite. C'est pour, je pense que ce sera pour jamais. Le dixième, c'est Sergueï Brin, qui a inventé les petits brins. Les gâteaux. Il est américain, il a 50 ans. Non, il a cofondé Google avec Larry Page. Voilà. Puisqu'il a 114 milliards de dollars. En 9e position, d'ailleurs, c'est Larry Page. Larry Page ? Qui a inventé les bibliothèques. Non, Larry Page, il est américain, il a aussi 50 ans, il a cofondé Google avec Sergueï Brin. Voilà. En fait, c'est ça. Mais il est plus riche que Sergueï Brin. Il a 5 milliards de plus. C'est fou, ça. Il a mieux négocié. C'est les intérêts. Franchement, il pourrait. Franchement. Si, franchement. Moi, je suis là, Ripley, je lui dis, voilà, frère, tu sais quoi, allez, je te mets à 100, tu me donnes les 19 milliards. Non, mais sérieux, il est bien. Franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout? Je comprends pas parce que Brin, il était président et Page, il était directeur. C'est logique ou pas? À mon avis, les actions sont plus fortes. À mon avis, c'est la gestion de la fortune après coup. Alors, après, s'il vous plaît, calmez-vous. Ne les mettez pas avant que je l'ai dit. Il y a Steve Ballmer. Qui, Steve? Steve Ballmer. Ouais, c'est qui? Microsoft. Ouais. Ancien assistant de Bill Gates. Il est con, putain. Et non. Il ne peut même plus sortir de vanne. Bah oui. Ah, pardon. Putain. Il avait racheté les Clippers. De non, c'est l'Américain. Il a 67 ans. Il était PDG de Microsoft. On sait, on connaît la réponse. Je l'ai. Hein. Il fait vachement. Je ferme ma gueule. Je ferme ma gueule. Pas possible, lui. On peut ferme ma gueule. Je me tais. C'est plus vieux. C'est n'importe quoi. Non, mais je sais qui c'est. Je ferme ma gueule, je me tais, c'est bon, je m'excuse, mais à coup pas. Mais à coup pas. Je sais qui c'est. Je ferme ma gueule, je vous promets. Non, mais il a les boules, il a bossé tout l'après-midi, toutes les fiches. Mais qui c'est qui t'a demandé? Il pensait faire un gros. C'est bon, truc. Toi, ta gueule, c'est bon, j'ai assez de problèmes avec le chef, c'est bon. Moi, j'ai une question argent, vu que vous y connaissez un peu. Non, mais alors attendez, je finis et vous me la demandez. Ok. Vous me la donnez maintenant? Parce qu'en fait, ça concerne Steve Ballmer et Larry Page. D'accord, allez-y. Je voulais savoir s'il y avait une grosse différence, vous qui connaissez un peu, de train de vie entre le 8 et le 9. Quand on a 120 milliards et 119 milliards, est-ce que vraiment... Ça n'a rien à voir. Bah lui, il mange pas... Larry Page, sachez qu'il mange pas à sa faim. Alors que Steve Ballmer... voilà, oui. Non, franchement, il n'y a pas un... Tu veux dire, comme disait un pote, tu sais, on mangera qu'un steak. Hein. voilà, non, mais c'est vrai. Donc, il a 67 ans, il est PDG de Microsoft. Il fait vachement En 7e position, Bill Gates. Le frère de mère. Gilles. Bill Gates. Je ferme ma gueule. 124 milliards de dollars. Il est aussi américain. Vous l'avez vu qu'il y a que des Américains dans le classement. Il est américain, il a 68 ans, il a cofondé, bien sûr, Microsoft avec Paul Allen. Bien sûr, vous connaissez la chanson. C'est quoi? La société, elle a mauvaise haleine. La société. Voilà, merci. En 6e, Warren Buffett. Ouais. Bien sûr qu'il a fondé bien sûr l'immeuble Mobeco. Non, c'est l'Américain, il a 93 ans. Ah. Il dirige le conglomérat d'investissement Berkshire Hathaway. Yes. Et lui, il a 128,7 milliards de dollars. Warren Buffett? Non, il sort avec un guéridon. Quoi. Non, mais Warren Buffett. C'est un philanthrope. Ouais, Warren Buffett, il est là. Regardez comme. Il a l'air hyper sympa en plus. Il est frais pour 93 ans. Il a une bonne tête. Ouais. Ouais. C'est fou. Hein. Ouais. Et... Une question Moula. Oui. Parce qu'on dit toujours, ces mecs-là, ils ont pas ça sur leur compte, etc. En gros, un mec qui a 100 milliards de dollars, vous pensez qu'il a combien en vrai? Sur son compte? Ouais. Non, sur son compte. En moyenne. Il doit avoir. Un milliard. Ces gars-là ont facilement. Non. Facile 20. Ils ont facile 40 milliards. Ouais, 20. Sur leur compte courant. Sur le 30 milliards. Sur le compte courant. Là où ils dépensent avec 20. La carte bleue. Non, pas avec la carte bleue, avec des investissements, tout ça. Avec la carte bleue, il y a combien? Avec la carte bleue, ils doivent rouler avec. Franchement, 10 milliards. Non, 200 millions. Ah ouais, c'est vrai, c'est nos limites. 200 millions sur le compte. Ouais. Et vous pensez qu'il a l'appli genre BNP Cité Générale, il regarde les dépenses? Chérie, c'est toi qui as pris un Uber Eats là. Tu viens me voir là, 2 secondes là. C'est toi qui as commandé chez Otakos là. Non, mais t'imagines ou pas? Non, mais t'inquiète, non, je t'inquiète. En 5e position alors. Et lui, je devais le rencontrer en plus. Ah ouais? Je jure que c'est vrai. Qui? Ouais, je devais le rencontrer parce qu'il devait rentrer dans une société dans laquelle j'ai investi. Mais non. Je jure que c'est vrai. Larry Ellison. Ah oui. Je vous jure que c'est vrai. Ouais. C'est le PDG qui a fondé la société de logiciels Oracle. Ouais. Et il fait beaucoup d'investissements. Okay. Et notamment dans le sport aussi. Ouais. Il est américain, il a 79 ans et pèse 143,7 milliards de dollars. Ouais. 143,7. Il adore la poterie. Il adore la poterie, hein, Kelly. Bah, allons le rencontrer. Larry Ellison. Regardez, il est où? Bah, il est là, ah ouais, voilà. Ah ouais. Et je devais le rencontrer, Larry. Bah, s'il me regarde, Larry, bah, j'espère qu'on se rencontrera bientôt. Les sommes comme ça, même si vous voulez le dépenser, vous ne pouvez pas dépenser, c'est impossible. Ah, c'est pas le but. Acheter autant de baraque que vous voulez. Et je vais te dire, il y a deux choses qu'on n'achètera jamais. La santé. Ce que j'ai toujours dit, moi. L'amitié. Il y a deux choses que tu n'achèteras jamais. La santé. C'est quoi? La santé. L'amour.
et la santé. Ouais. Ah oui. Bravo. C'est vrai. Non, mais c'est bravo. Vrai. C'est vrai, les gars. Si. L'amour, tu l'achètes pas, je suis désolé. Non, une meuf, même si t'as de l'oseille, si elle te kiffe pas, elle te kiffe pas. Je suis désolé. Elle peut faire semblant, voilà, ou un mec qui peut faire semblant d'aimer une meuf qui a beaucoup d'argent. Mais ça n'a rien à voir. Quoi Jennifer Lopez, elle est pas mariée avec un plombier. Quoi Elle est riche elle-même. Bah ouais, mais se mettrait pas avec un plombier. Lui aussi, tu peux dire le mec, il est pas marié avec un plombier. Jennifer Lopez, je peux te dire qu'elle a pas besoin de lui. Moi, je suis sorti avec une milliardaire une fois. Et j'ai fini par la quitter, parce que pourtant, elle avait de l'argent, mais j'aurais pu m'arrêter de travailler, etc. Mais parce qu'on n'était pas dans le même. Voilà. Le monde. Bah oui, c'est ça. Mais elle avait des goûts. C'est pas ma cam, quoi. Ah ouais, c'est ça. Pourquoi? Parce que t'étais gêné, parce que tu oui, j'étais gêné parce que par courtoisie, parce que je suis de l'ancienne génération, c'est moi qui voulais payer. Mais malheureusement, on allait dans un endroit où je ne pouvais pas. Et mon banquier m'a appelé au bout de 15 jours en me disant: mais Jean-Michel, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe, etc. Parce qu'on était, par exemple, je donne un exemple. C'est un mytho. Elle est de quelle nationalité? Des exemples, genre au restaurant. À quelle heure il t'a appelé ton banquier? Elle était française. Franco-algérienne. Française milliardaire. Oui. Non, elle était archi-millionnaire. Déjà, elle avait joué au millionnaire. C'est pas grand-chose. Non, mais c'est vrai. Ouais, elle avait gratté un millionnaire. Non, c'est vrai. Sa mère avait été épousée par un Américain qui était l'héritier d'une compagnie. Il a divisé par mille en deux. Tu mens. D'un tracteur américain. Je vous promets que c'est vrai. On l'aurait su, Jean-Mi, on connaît ta vie. Mais nous, on en avait parlé, moi. Je ne vais pas dire son nom. On l'aurait su, Jean-Mi. Mais non, c'est vrai. Et par exemple, le soir, comme ça, j'étais chez elle. Elle habitait dans un très bel appartement auprès des Champs-Élysées. Et elle me disait qu'on dîne. Je dis non, on reste à la maison tranquille. Et puis à un moment, vers 11h, elle dit: oh, viens, on descend, on se mange un petit bout. Je dis: ah bah oui, si tu veux. On descendait, boum, maison du caviar. Je réglais la somme. À chaque fois, je me disais: pourvu que ma carte passe. Arrête ton mytho. Il m'en avait parlé. Elle habitait sur les champs. Je me souviens très bien, quand la première fois que je l'avais vue, j'avais une vieille BM, une série 3. Cabriolet, mais qui avait 30 ans, 40 ans. Et moi, j'étais tout content, j'avais bien nettoyé, etc. Je vais la chercher, elle descend de l'immeuble, elle arrive dans la voiture, elle me dit: oh, c'est quoi cette épave? Alors, moi, j'étais content de moi, de ouf. Non, je crois qu'elle parlait de toi. Pas de la voiture. Alors, en quatrième position, c'est Mark Zuckerberg. 167,2 milliards de dollars. Il est américain aussi. Il a 39 ans. Il a cofondé Facebook. Eh ouais. Il y a que des américains, les gars. En troisième, Jeff Bezos. En plus, Jeff Bezos, il faut savoir qu'il a divorcé et qu'il a perdu la moitié de sa fortune. Et il a quand même 193,8 milliards de dollars. Ça va, quoi. Parce que sa femme a pris la moitié. D'ailleurs, vous devriez, si on peut avoir les coordonnées de sa femme pour Jean-Michel, ça nous arrangerait. Voilà. Donc sa femme, elle pèse 90 milliards. Hein. Il a chuté de la première à la troisième place. Il y a 2-3 ans, il était premier. Exactement, il a chuté de la première à la troisième place à cause de sa femme. Eh ouais, les gars. Ou peut-être à cause de lui. Oui, parce que non, il a trouvé une nouvelle meuf. Voilà. Il est parti en cacahuète totale. Hein. J'ai vu sa meuf. Alors? Non, vous connaissez la nouvelle meuf de Jeff Bezos. Non. Ah, alors s'il vous plaît, regardez la nouvelle meuf de Jeff Bezos. Et il y a un bail sur la nouvelle meuf de Jeff Bezos. C'est quoi le... Vous êtes pas au courant. Mais moi, je m'intéresse énormément aux milliardaires. Je vous jure que c'est vrai, j'adore la vie des milliardaires, je regarde tout le temps, je m'intéresse. C'est votre hobby? Non, mais je vous jure, c'est un de mes hobbies. Alors, s'il vous plaît, regardez, parce que je veux pas, voilà. Je vous allez voir, regardez, on va vous montrer une photo de la nouvelle meuf de Jeff Bezos. Allez-y. Regardez, et il y a un petit bail sur la nouvelle meuf de Jeff Bezos. Et c'est très bien. Voilà, c'est très bien. On la connaît? Il fait ce qu'il veut. Elle s'appelle Lorraine Sanchez. C'est ça. Ah, je la connais. Elle est spectaculaire. Ah oui, ça. Ouais. C'est quoi le bail? Attends. Tiens. On va la voir. C'est une brune. On peut la voir, s'il vous plaît? Spectaculaire. Ouais. On peut la voir, s'il vous plaît? Et s'il vous plaît, vous mettez combien de temps à chercher un truc, là, bordel de merde? J'ai la trouvé. Vous êtes toujours là, en régie, là? Oui, t'es chaîne d'Oerty. Non, mais ça sert à rien que je mette cette oreillette. Ils parlent pas, ils sont chiants, ils servent à rien. Oh. Mais vous la trouvez bien, sa nouvelle campagne? Vous allez voir. Vous allez voir. C'est pas votre délire. On va en parler après. On va finir le classement. En deuxième, c'est Elon Musk. Oui. Ah oui. Voilà. Il est américain, il a 52 ans. Il est PDG de Tesla et de la société de fusées SpaceX et de, bien sûr, Twitter. Ouais. Et il n'y a qu'un seul Français dans le classement. Ah, il est numéro 1? Et il est numéro 1. Mais non. Et oui, bien sûr, l'homme le plus riche du monde. Bien sûr. Et je voudrais dire, je l'apprécie beaucoup. Cocorico. C'est vraiment un monsieur très sympa. Vraiment, et sa famille aussi, c'est des amours. Il est français, il a 74 ans. Bravo. C'est le PDG du groupe de luxe LVMH et il est c'est l'homme le plus riche du monde. C'est un français. Et moi je trouve que c'est une fierté. Une fierté devant 9 Américains, c'est un français. Vous vous rendez compte ou pas? Et en plus, il les défonce. Hein. Parce que lui, il passe la barre des 200 millions. 211 milliards de dollars. 211 milliards de dollars.
Franchement, c'est la femme la plus riche du monde est française. Ah, exactement. Oui, ah, voilà. On a les deux, têtes de ah, oui, elle est spectaculaire. La femme la plus riche du monde est française aussi. Bah, bien sûr. Bah, et je vous dis, non, mais c'est pas fou. Ouais. Voilà Lauren Sanchez. Ça, c'est pas positif. Fou. Alors, voilà, ça, c'est la nouvelle meuf de Jeff Bezos. Et il y a le bac de fiançailles de 2,5 millions de dollars pour les fiançailles. Ouais. Non, mais alors, je vais vous expliquer. C'est la bague de fiançailles la plus chère, c'est pas la bague de mariage. La bague de fiançailles. Ah, mais je alors je vous le dis, c'est la bague de fiançailles, c'est la belle bague. Okay. Ouais. Et après, on met des alliances jours, hein. Quelconques. Que tu la mets tous les jours. Après. Mais la belle bague qu'on va ouvrir, c'est la bague qui va être la plus chère, c'est la bague de fiançailles. N'est-ce pas Gilles? Voilà, n'est-ce pas Gilles? Hein, Gilles? Non, mais Julie, donc voilà. Donc, voilà. 20 carats, c'est beaucoup, hein? 20 carats, ouais. Ah, c'est énorme. Pas mal, déjà. Ouais, pas mal. C'est pas mal. C'est énorme. Pas mal. Non, c'est pas mal, mais okay. il aurait pu faire. Ouais, bah, ouais. Franchement, je suis un peu déçu. Un peu cheap, hein. Ah, ouais, voilà. Quelle barre, ce Bezos. Non, mais sans rigoler. C'est une barre, ce Bezos, là. Et voilà, donc le